I take your dreams to the end of the world, day 35, on the road again. Les petits plaisirs du chemin. Cette partie du GR est très jolie. On se croirait un peu dans la jungle. C'est cool, j'adore. Voilà, aujourd'hui on a décidé à 4 de faire une petite étape, donc on a fait 15 km, on est à 5 km avant Nogaro.
et ça sera soirée bivouac, donc sèche-linge maison, et ça sera la nuit en tarpe avec mon copain Eric. En avril 2018, j'étais en fait à la croisée de plusieurs chemins, et c'était compliqué dans ma vie amoureuse, et j'ai été faire un petit voyage à Bordeaux, et il se trouve qu'il y avait beaucoup de marques du chemin. Il y avait au sol donc des petits écussons, il y avait également la cathédrale qui montrait plusieurs vues du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en partant du Puy-en-Velay. Et du coup, ça commençait à germer et je suis allée visiter la maison des pèlerins où j'ai rencontré quelqu'un d'assez ouvert qui m'a expliqué que c'était une expérience fabuleuse de faire le chemin et que ça permettait vraiment de faire un point sur soi, de poser les bonnes questions et peut-être d'obtenir des réponses aussi. Et de ce fait, ça a cheminé puisque j'ai pris un crédentiel à cette maison des pèlerins à Bordeaux. Et j'ai posé plusieurs questions parce qu'en fait, j'étais en couple à l'époque avec une femme. Et c'est quand même un pèlerinage catholique. Du coup, on peut quand même s'interroger sur la pertinence en tant qu'homosexuel de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis, bon, ça peut gêner éventuellement certains pèlerins de savoir qu'il y a quelqu'un, enfin, une pèlerine homosexuelle sur le chemin. Même si je le crie pas forcément sur les toits. Et donc j'ai cheminé là-dessus, j'ai réfléchi à ça, et finalement je me suis dit que j'allais prendre quand même mon petit bâton de pèlerin de manière symbolique, et le sac à dos, en juillet. Et donc j'ai commencé le premier tronçon, en partant du Puy-en-Velay pour aller jusqu'à Conques. C'était un galop d'essai, c'était une manière aussi de se prouver après une rupture amoureuse assez perturbante, de se prouver qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on est capable de faire quelque chose tout seul. Donc de se remettre en confiance quelque part par rapport à tout ce que l'autre dont on vient de se séparer peut vous dire de négatif. Hein. C'était une manière de me montrer que j'étais capable de faire quelque chose de physique. Et de m'en sortir sur le plan de l'orientation dans les bois pour pas louper les marques aussi. Donc c'était vraiment une manière de se prouver quelque chose. Et puis en fait au fil de cette première étape, de ce premier tronçon, je me suis aperçue qu'il y avait une très très bonne ambiance, que ça ressemblait un peu à une colonie de vacances. Donc j'ai rencontré des gens qui m'ont fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup ouverte aux autres. Et de ce fait, ça a permis d'éliminer des pensées négatives sur le chemin. Ça m'a beaucoup apaisée en fait par rapport à la rupture, à une transition dans ma vie personnelle. Donc j'ai poursuivi jusqu'à Conques et j'aurais bien aimé continuer, mais raisonnable de s'arrêter là, donc je m'étais dit que l'année suivante je reprendrais à partir de Conques pour poursuivre jusqu'à Moissac et donc faire 200 km chaque année. Une rupture amoureuse on la règle pas en un seul voyage, en un seul bout de chemin. Je pense qu'effectivement le faire d'une traite ça aurait été plus sage, mais la deuxième année c'était plus une manière de faire passer la colère en fait sur le chemin. Et du coup, j'ai été beaucoup plus rapide dans les trajets effectués. Quand on est en colère, on a beaucoup d'énergie en fait. Et donc on peut faire 24, 25 km sans problème, il n'y a pas de souci. Et puis une fois que la colère passe, l'année d'après, donc 3 ans, on démarre de Moissac, puis on essaye d'aller jusqu'à Arzak-Arazighe, qui est un nom un petit peu rigolo. Et là, on prend le temps en fait de rencontrer d'autres gens, d'échanger, vraiment. De faire finalement de la randonnée qui laisse le temps de s'apaiser, qui laisse le temps de s'ouvrir aux autres et de s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul dans son petit univers, qu'on n'est pas, il ne faut pas être nombriliste, et en fait les autres ont vécu des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut avoir vécu, et ça permet de relativiser pas mal. Donc aujourd'hui, j'envisage très fortement non seulement
ma vie amoureuse a beaucoup changé, mais j'envisage aussi de changer ma vie professionnelle et éventuellement d'ouvrir un gîte, parce que ça me plaît beaucoup l'accueil qui est proposé par les hébergeurs. Et je me dis qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, et changer sa vie, ouais, faire autre chose. Mais ça va pas tout bas. Je vais faire tout. On vous dit ciao et à demain.